Re-YouTube, on se retrouve encore une fois sur Pokémon Quest. Magnifique jeu. Magnifique jeu. En gros, ça te heal, et si tu deals un max, et tu régènes un pourcentage de ce que tu deals. Ah ouais! Ça peut paraître pas ouf, les trucs du genre 2%, mais quand tu tapes 5000 sur 3 ennemis, ça te heal 1000. Ah bah ouais. Attends. On va regarder vite fait. C'est forcément sur les gemmes gold, ça. Ça, c'est forcément sur les gemmes gold. Par exemple, qui c'est qui dit la max? Ah ouais, enfin ouais. Non, mais en vrai, j'ai tellement pas de dégâts avec cette team. Non. Et non. J'ai pas. Mais ça a l'air sympa, ouais. Ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Bah on va continuer. Par contre, le niveau. niveau de la loose là. Ça va être la merde. Ça va être la merde pour continuer. Non, on va pas te faire toi. Donc, ouais, le Lipoutou. Faudrait qu'on passe le Lipoutou. Faudrait qu'on passe. Je sais plus ce que c'est les boss des autres niveaux. Tac. Ah, le mino canon, ouais, merde. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'ai le double. Ouais, je deal pas de ouf, hein, vraiment. Oh, t'as quand même... Il a tellement pris cher le galopa, c'est un truc de fou. Ah, il a pris cher le galopa. Pourquoi il tire au bout du monde? Oh. Ah, le galopa, il prend tellement cher. Ah oui, là il faut faire ça. Ah merde! Voilà, j'ai pas fait à temps. Putain de galop. Putain de merde. Je me suis encore une fois pris deux ultimes à point. On va essayer de tempo. Oh là là, c'est la galère. Ah, j'ai pas beaucoup de dégâts hein, avec cette team. Si, ouais, le Onyx il est pas dégueu. Quoi. Ah, le Alakazami, il est tellement dans la dèche. Il est tellement dans la... Regarde dans tes gemmes, ton galopa a trop de vitesse, passe devant tout le monde et se fait détruire en first. Ouais, je sais. I know. Oh là là. C'est tellement la merde. Et voilà, et en plus on a un truc. Paf, paf. Ah si, le Onyx il deal un petit peu quand même. Ouais, mais bien sûr, il est derrière. Bien sûr, il est mort. Pourquoi là d'un coup j'arrive plus à faire ce putain de niveau de merde? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Ah putain, c'est le décès. Ah si, il fait mal quand même hein. Non mais pourquoi il se barre par là? Putain, mais quel connard! Quel Pokémon de con! Oh là là! Paf, paf! Ok, lui c'est bon. Ah, en plus il est tanky, hein, le Onyx en vrai. Oh là là! Oh là là! Si, le Onyx c'est cool! Parce que là, s'il arrive à DPS avec Danse Flamme et que lui c'est devant, bah il va tanker. Mais ça, tu l'avais compris. Moi, j'avais Onyx avec armure, il subissait rien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais comment tu gères la vitesse? Je comprends pas comment tu gères la vitesse, par contre. Par exemple, la Galopa. Comment tu vois la vitesse? Pokémon. Par exemple, si je regarde ma team. Dans tes gemmes, tu as qui donne des boosts de vitesse, les gemmes qui sont pas grises.
Amulette. Alors. Ça peut-être? Ah oui, vitesse de déplacement, en effet. Voilà, virer. Voilà, donner à Onyx. C'est mieux. 412. Ouais. Ok. Ok, et puis Galopa, il va récupérer l'autre. Clique sur amulette, et normalement, en haut à droite, la loupe. Ah ouais, tu peux voir la loupe, ok, d'accord. Alors attends. Tac. Celle-ci. Non mais. Ah là là, des fois c'est chiant quand même à la manette. Hein. Le jeu est vraiment optimisé pour le. Sur la loupe. Ouais, d'accord, t'as toutes les caracs. Okay. Super. Je vois. Je vois, je vois. Bon là, normalement, on a plus de vitesse. Normalement, le Alakazam, il devrait pas avoir de vitesse. Normalement. Je dis ça, mais... Vitesse de déplacement, plus 25. Ouais. C'est quoi qui donne plus 25 de vitesse? Vitesse de déplacement, là. Peut-être ça. Vitesse de déplacement. Ouais, on peut l'enlever. On va la mettre sur Onyx, comme ça on est sûr à 100% que le Onyx il est devant. 374, tac. La Kazam, on va lui mettre le 375. Voilà. Normalement comme ça on est pas mal. Normalement comme ça on est pas mal. Alors c'est vrai que le Alakazam il deal vraiment rien. Il est niveau 112 quand même, il a beaucoup d'attaques mais. Le problème c'est que j'arrive pas à lui changer ses attaques. Il est trop au niveau en fait. Il est vraiment trop au niveau. J'ai eu déjà trop changé de fois ses attaques. J'ai que de la merde. Que de la merde. J'ai vraiment eu que de la merde. Objectif, on a quoi? Secondaire. Des BRMU. Ok. Bon, par contre, à un moment donné, il faudra vraiment qu'on avance dans le. Dans l'histoire, parce que là ça commence à devenir chaud, mais les Pokémon qui font du dommage. Ah putain, j'ai fait un Lunokhod dégueulasse. Ok, ok, ça pour rien. Allez, attaque, attaque, merci. Ah merde, ouais, pareil pour mon magnéton, 7 tentatives, pas une seule attaque électrique. Ah ouais, chaud du cul, ça c'est chiant. Rebond. Ok, alors le McConnor, alors attendez, on va se mettre là-dessus. Alors bien sûr, non mais voilà, voilà, à un moment donné, il fallait que ça arrive. Oh, l'esquive. Ah non, pas du tout. Pas du tout, du coup ça a bien été un... Beau ultima point dans la gueule. Oh là, je suis tellement dans la merde. Oh mon dieu. Ah ouais, je suis dans la merde là. C'est qui est confus là? Ah bordel. Quand tu veux hein. Quand tu veux, tu fais des vrais trucs. On va tempo. On va essayer de tempo. Ah putain, voilà, je fais ça dans le vide comme une grosse merde. Ok. Ah bah ok, super. Ok, super. Non mais pourquoi? Alors pourquoi quand je dis tu te casses, toi tu fonces vers lui? Pourquoi? Ah bien sûr. Ah mais t'es mort, hein. Cherche pas à comprendre. Quel talent. Ah là là. Ah là là. Et merde. Et voilà, là il dit de la merde. Ah mais il va encore remourir. Quelle grosse merde. Et lui, mais lui il attaque dans un poteau. Ah punaise. Ah ça commence à me vénère. Alors bien sûr je me fais pousser juste avant que je fais l'attaque.
Ah là 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 là, la grosse merde. Dégagez. Dégagez. Oh, c'est la merde. Non, dégagez. Ok, c'est bon, il est mort. Putain, j'ai eu chaud du cul. Et jet de pierre sur Onyx, j'aime pas non plus. En vrai, t'aurais bouclier avec ton Alakazam, ça serait beaucoup plus OP. Le flash, j'aime pas trop. Mais j'ai jamais eu bouclier, en fait. Si tu veux, j'ai fait flash, mur lumière, flash, mur lumière, flash. Et du coup, ça fait 5 fois que je change l'attaque et j'ai flash, quoi. Autant vous dire, c'est pourri. C'est pourri. Ouais, c'est un peu de la merde. C'est vraiment de la merde. Ouais. Ah, lumière. Ah, c'est vraiment pourri. Niveau gemme. Ouais, 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 ouais. On a une gemme 434, c'est pas mal. Allez, un petit peu plus de vie pour notre ami Galopa. Oui, il y a une 403 là. Tac. Voilà, on est mieux comme ça. Pouet, 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 pouet. Allez, ça, on recycle. Ok. Ah ouais, là, autant refaire un Abra avec un coffre argenté. Ouais, ouais, bah, je pense que c'est... Il me semble que c'est ce que j'ai fait. J'ai dû en lancer un. Mais le problème, c'est que voilà. J'arrive pas à avoir. Celui-là, il me semble que c'est un Abra. Le problème, c'est que j'arrive pas à avoir de. Un Abra assez haut niveau. Là, le dernier que j'ai eu, niveau 40. Et pareil, il a que de la merde. Le Abra. Il a que de la merde. Et c'est supra chiant. Par contre, je me fais pourrir à chaque fois par le Macogneur là. Un Akazam 55 ou 60 avec Psycho, c'est 10 fois meilleur que ce que t'as. Ah bah je sais. Je sais, merci. I know. J'ai compris. Parce que rayon mes couilles, c'est un peu de la merde. Paf, paf, voilà, bravo. Non mais, s'il te plaît, par contre, quand t'attaques Galopa, si tu pouvais, non, sans te commander, si tu pouvais genre attaquer sur quelqu'un, dans le vide, c'est toujours mieux. Merci. Merci beaucoup. Ah ouais, donc vitesse de déplacement, lui, il est chaud. Le vitesse de déplacement, il est chaud. Le Onyx. Ok. Alors toi aussi, hein, si tu pouvais éviter d'attaquer dans le vide. C'est bien aussi. Alors ouais. Ok, c'est bon, j'ai évité le premier. Non! Putain, mais il se le prend ce fils de pute, hein! Ah, vas-y, Taras. Ah, il se l'est vraiment pris, hein, pour de vrai. Ok! Ok, tape dans le mur, c'est bien, bravo. Non, félicitations, franchement. Ah, là, tu m'as aidé de fou. Là, tu m'as aidé de ouf. Ok. L'Onyx qui est un peu dans la merde. Autrement, tout va bien. Autrement, tout va bien. Ok. Pour l'instant, ça se passe. Hein. Pour l'instant, ça se passe. Ok, donc Galopa qui fait de la merde. Non, ça va. On n'est pas trop mal. Oh putain, et l'autre il se fait pousser quoi. Ok. Très good. Ça en vrai, c'est Onyx, c'est dans une meilleure situation qu'avant, je pense. Ouais, enfin, après, l'Onyx c'est bon. En vrai, j'ai d'autres Pokémon qui font quand même plus de dégâts qu'à la Kazam et Galopa. Mais c'est au niveau des types, quoi. C'est au niveau des types, plutôt.
Donc là, normalement, on va ouvrir un Abra. Attention, attention les yeux. Par contre, Abra, de base, il peut pas avoir Psycho, c'est ça? Il me semble. Bouillon 3D. Ah non, bah du tout. J'ai pas du tout fait un... Ah putain de Kalinos, super. J'adore. Niveau 58. Alors, par contre, hurlement, autant vous dire que c'est un Kalinos de merde. C'est un Kalinos de merde. Je sais pas. Bah, j'ai jamais vu. Ouais, de... J'en ai sorti beaucoup d'Abra. Je t'avoue que j'en ai sorti pas mal d'Abra et il y en a aucun, strictement aucun. Avec Psycho. Ils ont tous Rafale Psy dégueulasse. Ah ça c'est quoi? Ah oui c'est Flamèche et Roue de Feu, c'est ça? Roue de Feu c'est de la merde. Et lui il a quoi déjà? Attends, lui il a Lance-Flamme et Flamèche. Ouais à la limite lui bien. On va le faire évoluer. Voilà, on va le faire évoluer en Arcanine. Enfin. J'aime pas les Pokémon avec un seul sort. Ouais. Moi non plus. Moi non plus, je préfère qu'ils aient... qu'ils en aient deux. Le petit Arcanin. Des familles. Ok. En vrai, là, si on remplace... je pense... Capacité. Tiens. Allez, avec un peu de chance... Le roue de feu, on va le faire évoluer en quelque chose de bien. Avec un peu de chance, j'ai dit. Au pire, il y a Flamèche. Au pire. Ah. Bout de feu. Eh, ça a l'air ouf, ça. Non? Ah. Eh, c'est top, ça. C'est carrément mieux que mon galopin de merde. Par contre, il a 10 niveaux de moins, quoi. On va tester. On va tester. Moi je dis on va tester le Arcanin. Arcanin. Amulette. Moi je dis on va tester le Arcanin. Du coup Galopa. Tac. Ah mais il a que de l'attaque. Oh, hallucinant. Et là s'il fait pas de dégâts le machin. Par contre 600 points de vie c'est vraiment de la merde. Oh, ah ouais par contre 600 points de vie c'est ouf. Merde. Ah mais il a vraiment aucun truc de vie. On va tester. Petit Ferrocin 67, je viens d'avoir dans un coffre argenté avec 5 champignons rouges. C'est GG, putain, bien. Petit Ferrocin, je jouais pour Petit Colossinge, c'est cool. Ça, c'est cool. Galopa juste, on va lui enlever les... Parce que évidemment, ça enlève pas les gemmes de merde. Ça. On va les enlever, on va essayer de voir si on peut les mettre à Arcanin. Et putain, Arcanin 600 points de vie, c'est. C'est chaud. Il est où? Il est où là? Cela dit, on baisse pas beaucoup en skill cap là. Toujours à 11 000 et quelques. Alors, on peut lui mettre quoi concrètement? On peut juste lui mettre la réduction de temps. Ça, on peut pas. Bon. Allez, on tente. J'ai bientôt mon Dracolos là. Putain, stylé. Après, je préfère Machoke. Ouais, bah, j'ai un Macogneur. Il fait mal, le Macogneur. Là, en vrai, si je voulais faire du dégât, je prendrais le Macogneur. En fait. À la place du Alakazam. Je pense que je fais du dégât. Je pense que je fais masse dégâts. Donc voilà, le Abra niveau 40, voyez. Que j'ai. Qui a Raval Psy et Mur Lumière. J'aimerais bien voir combien il prend. C'est-à-dire, si déjà je vire le Alakazam. Hein, que niveau des amulettes, je lui enlève tout. Évidemment. Tac, tac. Et que je fais exercice. Le Abra niveau 40. Si je lui donne à bouffer, le Kadabra niveau 78. À quel niveau il monte? 50, c'est tout. Ah, ça fait chier. Ah, pour l'instant, ça fait chier. On va refaire une recette psy.
Non, putain, par contre, faut que je le remette. Quoique, je vais mettre ma cognure. On va faire une recette psy. Non. Ok. La recette psy. On va mettre qui dans mon équipe? On va mettre qui dans mon équipe? Vous voulez que je joue qui, tiens? Vous voulez que je joue qui? C'est comme vous voulez. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment pas ouf le cadavre. Hein. Là, si je voulais du dégât, je prendrais ma cogneur ou Rhino Féroce. Il y a le Rhino Féroce qui est pas mal. Le Rhino Féroce qui est pas mal. Pepe. Pouep, pouep. Ouais. Dégâts critiques, récupération automatique de points de vie plus 23. C'est bien ça. Ok. Tac. Ça c'est quoi, dégâts critiques, critiques résistance aux altérations, ok. Allez, on va tenter ça. On va tenter cette petite team là. On a 10 500 par contre, on est redescendu. On va peut-être pas faire le magnéton, quoique, est-ce que magnéton ça peut être bien? On a combien de... Il nous reste combien de points? Il nous reste 1 avant qu'on reset. Magnéton ou... Ah si, bah si, ça c'est... Ça peut être bien. En vrai, ça peut être bien. Ah, le bout de feu et tout quoi. Par contre, Onyx, normalement, t'as reste bien. Tout ça pour ça. Ah putain. Ah, mais il a pas le x2. Ah putain, j'ai oublié de lui mettre les. Oh, par contre, oh là là, il prend tellement cher, Arcanin. Il prend tellement cher. Et Arcanin, il prend trop cher. Hein. Pour de vrai. Hein. Ah, le Arcana, il prend trop cher. Ah mais il a quoi, il est... Ah putain, l'autre il maintenant c'est l'autre. 5000 sur Flamèche. C'est pas mauvais. Ah ouais, il est confus, c'est bon. Ah, il est tellement confus. Ah, il a pas le x2, ça m'énerve ça. Paf paf. Ah, c'est fort Onyx. Ah, c'est fort jet de pierre quand même. C'est bien. Hein. Franchement, le jet de pierre est cool. Sur Melodelf, ouais. Ouais. Ah, c'est un peu la merde. Ah, il a pas le x2, fait chier. Ok. Bon, ok. L'Arcanin qui est décédé. Ah, faut que je remette le x2 sur Rhino Féroce, hein, sur Écrasement, c'est tellement fort. Ok, il est mort. C'est le décès de Rhino Féroce. Et on a Onyx. Hein. Bon, par contre, au mieux, Onyx, touche quand tu tapes, quoi. Au mieux, hein, vraiment. Encore une fois. Paf, ok, super. Super. Ok. Ah ouais, ok. Bon. Il faut que je remette les trucs sur Rhino Féroce. Parce que autrement c'est de la merde. Autrement Rhino Féroce c'est un peu de la merde. Donc le x2. Au moins le x2. Et au mieux, fallait prendre ça en fait. Faudrait prendre ça au mieux. Au mieux, ça. Voilà. Au mieux, c'est ça. Arcanin, on peut lui mettre quelque chose. Il me semble que j'ai regardé, non? Ouais. Non, on peut rien lui mettre d'autre. On peut lui mettre un verre. Augmentation des malus. Et du coup, l'Onyx.
coup le Onyx. Onyx, on peut lui mettre multi, multi-direction. Ouais. Meilleur projectile. Ok. Allez, on va régène. Et c'est reparti. Normalement, ça va être mieux là. Ça devrait être mieux. Ah, le Dracolosse, ouais, j'aimerais tellement l'avoir. J'aimerais tellement l'avoir. Pouet, pouet, pouet. Par contre, le Arcanin, s'il te plaît, laisse la place à Onyx devant. Merci. Ok, le Arcanin qui peut plus rien faire, qui est endormi. Qui est littéralement endormi. Oh merde. Ah, oh, j'ai fait tellement de la merde. Paf paf. Ok. Le Arcanin qui est pas trop dégueulasse là. Il est pas trop dans le mal par rapport à tout à l'heure. Donc ouais. Ah c'est tellement fort en vrai Rhinophéros avec l'écrasement et double. C'est tellement bien. Et on est pas trop mal. Bah apparemment Dracolosse c'est level 54, Draco il est 51. Je suis pressé de l'avoir, ce personnage est tellement badass. Ouais j'avoue. J'avoue que c'est quand même cool. Putain quoi, mais il m'a tout endormi là. Hein. Ah les beaux. Non mais pourquoi tu tires derrière mais genre à 10 lieux quoi. Bon ok, Arcana est décédé. On va s'occuper de toi Mélodel, t'inquiète. Paf paf. Si c'est cool quand même. Ah putain. Ok. Ok, il est mort Rhinophéros. Super. Cette team elle combote pas mal entre les Pokémon. C'est assez cool. Niveau 59 pour le Rhinophéros. Sympathique. Une gemme en du 404, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Et on a un plat. On a un plat de prêt. Une petite tambouille. Allez, c'est qui? Un truc électrique, oui, c'est vrai. C'est vrai que je voulais monter mon magnéton. Alors, ils sont niveau combien, ces connards? 65, ok, mais il a qu'une attaque. Et c'est Stridoson, c'est de la merde. Donc autant vous dire que voilà, FFG, mais c'est comme ça. Ensuite, Magnéti niveau 57. Putain, mais. Toi les lecs et Stridoson, mais sérieusement quoi. Sérieusement les mecs, sérieusement. Non mais sérieusement. Tout à l'heure avec mon rapace de pique full boost de 70, bon il me manque 2 ou 3 gemmes je crois. Avec Bec Vrille, j'ai mis 20 000 en crédit. Putain, stylé. On va essayer déjà de le faire évoluer. Et ensuite. Niveau capacité, il a quoi? Lui, il a deux trucs. Le 58, il a quoi? Il a deux trucs, dont une attaque déjà. Ce qui est pas trop mal. Par contre, on lui a déjà. Une attaque, comme ça. Si on. Putain, merde. Si on fait ça. Niveau. Ok, donc là, il évolue. Donc c'est une bonne nouvelle. Ah mon Magnéti, il avait exactement pareil. Je veux pas te porter la poisse, mais c'est avec lui que j'ai fait cet échec. Bon, déjà, on a un magnéton. Et après, on va lui switcher les attaques. Bien joué. Merci. Alors. Tac. Capacité
88%. Allez, on tente. On tente. Ah! Tonnerre! Bon, bah voilà. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, nickel. Tonnerre et lumineux canon, ça. Ah, stylé. Ah, stylé. Je suis content. Je suis content. Tonnerre. Bon, à 80 de puissance, c'est pas dégueu. C'est lumineux canon à 170 de puissance. Mais tonnerre, on peut lui mettre des, on peut lui mettre des gemmes. Comment j'ai le seum. Ah là là. Eh, faudrait le tester. Faudrait le tester. Ça serait cool de le tester là. Faudrait le tester. On va virer qui, tiens, pour le tester. Le Arcanin, il est chiant. Le Arcanin, il est full boost attaque, c'est chiant. J'aime pas. tac. Au niveau des gemmes, Vita. Le Ponyta, là. On s'en bat les couilles pour l'instant. On va lui mettre ça. On va lui mettre ça. Il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. La chance du live. Merci les viewers. Merci les viewers pour votre Genki Dama. On va tester Magneton. On va tester Magneton. Oula. La capture est en train de mourir. On va tester le Magneton. Quête. On va tester le Magneton sur les trucs. Bah, dans l'arène 10, où faut des Pokémon électriques. Tu me vois avec ma vieille toile Elec, 0 dommage, plein de sang. Bah oui, je te comprends. Et c'est pour ça que je vais essayer là. Quoi qu'après. Électrique, ouais, mais s'il y a des Pokémon haut en vrai avec Rhinoceros et Onix, on est un peu dans la merde. On va tester juste sur le ce niveau là. Déjà. On va tester avec ce niveau là. Le petit petit tonnerre. Ok. 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 Paf. Le canon dégueulasse. Ah mais j'aurais peut-être pu lui mettre des GMP là. Bon pour l'instant on n'a pas trop pris cher. Oh là là. Ça n'a pas l'air ultra puissant non plus. Paf. Ah, quoique. Quoique. Ça peut le faire. J'y crois à mort. Ah, c'est stylé. Paf. Fin de l'assaut. Ok. On n'a pas trop perdu de vie, on est plutôt pas mal. L'Onyx ne s'est pas fait trop défoncer le fion. Paf. Et paf. Allez. Pour les aquaquacs, le tonnerre. Ah, c'est tellement fort. Non, si, c'est fort quand même, jette pierre. Ah, je kiffe cette attaque quand même. Elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool. Là le problème c'est que le Magnéti est derrière en fait. Et comme il a une attaque au, comme il a des attaques au cac, c'est le problème de Magnéti. Bon on va peut-être faire des trucs parce que. On va casser de la merde. Oh le 7900 critique sur Lumino Canon quoi. Oh là là, ouais, en fait il fait plus de dégâts au décor qu'à autre chose. Ah tiens. Ah oh, putain, il m'a poussé quoi. Oh là là, les boules. Ok. Ok. Bon, le Rhinoceros qui décède. C'était prévisible. Non, par contre, va au cac, s'il te plaît. Merci. Putain, normalement, c'est pas à toi d'aller au cac. Piou.
Ok. Ah, lumino canon c'est fort quand même. En vrai. C'est quand même assez fort. Du coup j'ai deux fois lumino canon avec Onyx et avec Magneton. Ok. Franchement je me sens pas prêt. Je me sens pas du tout prêt à continuer ce monde. Ah oh là là. C'est la catastrophe. Bon en tout cas on a normalement le un Abra qui sort. Allez un petit Abra. Putain s'il peut être à peu près niveau 55-60 ça serait top. Allez. Oh deux Abra. Deux Abra. Ah il y en a forcément un qui est bon. Non toi t'es. Toi t'es nul à chier. Ouais, bop, ouais, ouais. Non, t'es nul à chier, toi. Et toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah là 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 là. Ouais. Je crois que je... La musique qui te dit bravo, vous avez gagné un abra de merde. Ah non, mais c'est ça. Hey, j'ai masse abra et tout. Et, c'est de la merde. Non, franchement, c'est de la merde. Lui, il fait quoi? Lui, il a deux attaques. Au pire, on pourrait essayer de le monter lui. Moi, je dis on tente. Allez, on tente. Déjà, on le monte niveau 50 avec le cadabra. Et après. Et après on avise. Allez, on nique le cadabra. On nique le cadabra niveau 73, mais totalement. Ah, faut prendre le... Faut prendre un petit peu le taureau par les cornes. Play évolue en cadabra. Et j'aurais bien aimé qu'il évolue en Alakazam quand même. Poué, poué, poué. Poué, 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 poué. Ok, fermé. Est-ce qu'on essaye de lui changer de capacité? Tout de suite. Allez. Moi je dis, attends. Attends. Déjà. Ah, déjà à la Kazam, quand même. Tu vas prendre Psycho. J'y crois à mort. J'y crois à mort. J'y crois à mort. J'ai eu de la chance sur Tonnerre. Ah, j'y crois à mort. Allez, capacité. Sur. C'est ça, c'est Lumière, c'est de la merde. Allez, croise les droits. On croise les droits. Je le sens pas. Téléport! Parfait! Oh les boules, quoi. Du coup, faut refaire des. Ah bah, du coup, voilà, j'ai gagné un Alakazam niveau 51. Pourave. Avec les mêmes attaques quoi. Ah c'est bien ça. Ah téléporte c'est cool. Le tenseur se téléporte, c'est trop bien. Ah ça a toujours été trop bien. Du coup j'ai niqué mon meilleur Pokémon, c'est pas grave. Je me sens bien quand même. On va faire une petite recette. On va faire une petite recette des familles qui va bien. Alors on va faire deux petits abras de merde. Juste pour les capas. Ok. Juste pour essayer. Mais prends des abras avec la première main. Ouais, je sais. T'inquiète. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pokémon bleu, on tente d'avoir un mini Draco. C'est qui part. On tente. Faut bien tenter. Bon, là, on va essayer de farmer le niveau. On va essayer de monter le magnéton. Ouais.
C'est pas top en vrai. Tonnerre, c'est pas fort. Hein. C'est pas très fort. Hein. Paf. Ok. Non, en vrai, tonnerre, c'est vraiment pas fort. Paf. Wake, wake. Il fait quoi, tempête? Félicitations. Paf, paf. Ha. Ah, c'est fort. Ah, c'est fort. Tempête dégueulasse, quoi. Mais bon. On en est là, ok. Y'a quoi qui nous attend? Ah, des hippocéens. Ah non, c'est des hipporois. Ça aussi, faudrait le monter, ça serait cool. Un petit hipporois, c'est sympa. Oh là là. Ouais, il touche pas. Pour vous dire un peu comme c'est de la merde. Tonnerre. Ah, c'est nul, Magneton. Ah, c'est un peu nul, Magneton, quand même. Oh, la déception d'un homme. Bon, par contre, tuez-les. Avant de vous faire buter comme des connards. Ah, d'accord, vous tirez dans le vide. Ok, c'est super. Vraiment, vraiment, vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux. Paf. Paf. Et l'autre, il tire dans le vide comme un connard. Ok, t'as rien touché. GG. C'est le GG. Bon, alors, avec Rhinocorn qui est dans la merde. Rhinocorn qui est dans la merde. Paf. Paf. Ok, super. Il a tout esquive. C'est génial. Oh là là. Ok. Tire-lui dessus au pire. Hein. C'est mieux quand même. Oh là là. Et ça pousse. Et ça pousse. Ça pousse des Pokémon. Ça n'a aucune race. Ok, ça touche une fois. Alors que ça aurait pu toucher trois fois. Paf, paf. Tonnerre. Ah. Super. Non, mais j'aime bien Rhinocorn. Ouais, j'aime bien. Avec écrasement, c'est marrant quand même. Écrasement, c'est marrant. Un bon Pokémon d'attaque. C'est pas vraiment fort. Allez, Magneton niveau 60, c'est cool. Allez, on va essayer de d'enchaîner. Ah, nice. On a le gold. On a le gold. Onyx. Ok. Il a déjà pris cher, hein, alors qu'il a dû se faire toucher qu'une fois. Ok, la latence du mec qui lance son... Ok, par contre, fais-le pas sur un mur. C'est quand même toujours mieux de le faire sur des Pokémon. Merci. Merci beaucoup de votre solidarité. Paf. Et paf. Ouais. Si, c'est fort. Non, mais Magneton là, il nous sert à rien. En vrai, il nous sert à rien parce qu'il est bloqué tout le temps. Il est tout le temps bloqué, il nous sert à rien. Ah, cela dit, on peut essayer de jouer avec les. Oh là là, ça. Ah, mais ça peut paralyser et tout, c'est trop fort. C'est trop fort. En fait, il faudrait augmenter la zone de. La zone que machin touche. La zone du tonnerre. Ok. On n'est pas trop dans la merde.
tout cas, j'ai fait de la merde. J'ai eu tout ce que je voulais faire. Putain, mais s'il te plaît, au pire, tu peux tuer. Je peux te faire tuer. Merci. Merci beaucoup. Le poisson. Wow. Putain. T'es allé trop loin là. Je te le dis, t'es allé trop loin. Ah, mais il est mort. Ok. Putain, ta race. Il bouge trop. Par contre, avance, hein, au pire. Au pire, mon petit. Ah, par contre, ouais. Super. Ok, t'as pas touché, c'est cool. T'as pas touché une seule fois, mon petit. Promis, à la fin de ce combat, je te jarte de là. Je te jarte de ma team. T'es vraiment nul à chier. Non, c'est nul, hein. C'est nul, Magneton. Franchement, mon petit Sil You, tu rates rien. Tu rates pas grand chose. Même avec Tonnerre, c'est pas ouf. Bon, après, il doit bien avoir un moyen de l'optimiser et tout, mais je l'ai fait. Bon, on va récupérer nos deux abras. On va essayer d'avoir Psycho. Ça serait bien. Ça serait bien. Finalement. Ah, on a même deux abras là. Ok. Bon, concrètement, ils sont nuls. Hein. C'est le petit machin. Et là, on tombe sur un abra niveau 1 avec Psycho. Non, ce n'est pas possible. Téléport. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était Psycho. Je me suis dit, quoi, c'est Psycho? Non. Ouais, mais j'ai pas d'autres Pokémon électriques. Il me semble que j'ai un Pikachu. Je suis pas sûr. Mais bon, si j'en ai un, il doit être niveau 4. Et là, écoutez, ça va être super long. Ça va être super long et super chiant. Bon, alors. Toi, t'es quoi? T'es niveau 4. Super. Vas-y, ta gueule. Merci. Ouais. Équipe. Exercice à la casa. Capacité, très bien. C'est un peu la dernière chance. C'est un peu la dernière chance. Attention, attention les yeux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Balombre. Pourquoi pas? Mais bof. Est-ce que là c'est chiant là? Avec deux abras ça donne quoi? Non mais. Je vais pas le remplacer putain de terrasse. 100%? On tente ou pas? Ouais c'est ça le genre de Pikachu level 8. Good luck pour l'issue jusqu'au niveau potable. Ouais c'est ça. Allez. On tente. On a eu un ballon. Pourquoi pas avoir un psycho? Non, on fait 2 fois 64. Non. Soin. Voilà. Voilà. T'as fait de la merde. Non, mais Balombre, concrètement, je l'aurais pas gardé. Si j'avais Alakazam avec Balombre, concrètement je l'aurais pas utilisé parce que moi ce que je veux c'est une attaque psy sur Alakazam. Et l'attaque psy qu'il a elle est nulle à chier. En vrai soin c'est pas nul mais pas ouf non plus. Ouais. Le psycho. Non bah non. Ouais. Bon. Bon. Alors, ouais, on voulait bouger le magnéto. C'est un peu de la merde. Je sais pas quoi mettre. Franchement, je sais pas du tout quoi mettre. Ouais, donc est-ce que j'ai un Pikachu? Ouais, j'ai un Pikachu niveau 11, quoi. J'ai un Pikachu niveau 11 qui a quoi comme attaque? Truc de merde encore.
Electacle. Ah non, ça va. Electacle, queue de fer. Le lanceur accumule de l'électricité et saute sur les ennemis avant d'envoyer une décharge qui blesse ici. Ouais, non, ça c'est de la merde. C'est de la merde, c'est un truc à charge. C'est chiant. C'est chiant. En vrai, c'est chiant. Putain. Je pourrais pas avoir des bons Pokémon. Lui, il est nul. Il y a que lui qui est bien, lui il est bien. Lui en vrai il est pas ouf. Hein. Galopa il est pas ouf. Après j'avais eu un 9-9. J'ai réussi à avoir Psycho sur notre coco. Ah ouais. Ouais. C'est faisable. Grave faisable. Mais moi le premier 9-9 que j'ai il est niveau moisi quoi. Il est niveau 2 tu vois. Donc l'un dans l'autre, c'est un peu de la merde. Bon, il faudrait qu'on bouge Magnéton. Qu'on prenne autre chose. Qu'on mette autre chose. Ouais, je pourrais pex le Maconure. C'est fort Maconure. Mordor, il a la tête d'œuf level 2 PogChamp. Ah bah c'est totalement ça. C'est totalement de la merde. Bon, Maconure qui est pas dégueulasse. Maconure qui est pas dégueulasse. Avec ultima point. C'est pas très fort. Ouais, je pense qu'on va le pex. Au niveau des runes. Non, on pourra lui mettre au niveau des runes. Ça, non, ça c'est pris, ça c'est pris. Non, on peut même pas lui mettre ça. Ouais, on va le laisser comme ça. On va réduire le cooldown, ok. Ouais, on va pex le Maconure. Il peut être bien Maconure. Il peut vraiment être bien. Par contre, où est-ce qu'on va le pex? Je pense qu'on va pex là. On va pex là. Et genre, on va se mettre sur auto. Genre, en mode, je m'en bats les couilles. Voilà. Et voilà, comme ça, on peut discuter. Attends, vas-y, je vais m'asseoir par terre. Ah! Bonsoir! Ah, si on n'est pas bien là, quand même. Ah, on est mieux par terre. Évidemment. Ah, mais du coup, je vois pas vraiment bien la télé. Ah bon, on s'en fout, on est sur auto. Ah ouais, on est bien. Est-ce que c'est fort ou pas? Ah, mais oui, mais ça, c'est le niveau. Ça, c'est le niveau que je gère easy. Enfin, normalement, hein. Ne me faites pas mentir le jeu. S'il vous plaît. Ne me faites pas mentir. Bon, on a monté pas mal de niveaux ce soir, mais bon. On n'a pas vraiment avancé quoi. En vrai, on n'a pas vraiment avancé l'histoire ou quoi que ce soit. C'est un peu chiant. Avec Dracolos, après, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux si. C'est ça qui est fort. Ok. Le boss. Je sais plus qui c'est Crotan Mord, il me semble. Non. Pouet. Ah non. Oh, c'est le Rafflesia, fils de pute. Oh là, vite, faut que j'enlève l'auto. Oh là là. Ah, il est vraiment chaud le Rafflesia. Il est vraiment chaud du cul. Ok. Oh là, voilà, c'est ça qui est dur. Voilà, nice. Heureusement que j'ai pris la main. Moi, je t'avoue, j'ai l'impression de stagner. Oui. C'est un peu le cas aussi. Attends, j'ai une. Ok. Je t'avoue que c'est un peu le cas aussi. Une petite gemme maintien. Je m'en bats les couilles. Ouais, j'avoue que c'est le cas aussi. Mais après, comment dire. Allez, petit dernier. Comment dire. Après, comment évoluer. C'est vrai qu'au bout d'un moment. Voilà, après, quand t'as le chaudron d'or, c'est peut-être un peu plus simple. Donc, c'est plus pour finir l'histoire. Attends, je vais mettre sur auto. C'est plus pour finir l'histoire. Et même en auto, il tire dans le vide quoi.
Bordel. Donc ouais, c'est plus pour finir l'histoire. Une fois que t'as fini l'histoire, en fait, t'es plutôt bien. Parce que tu peux farmer tranquille. Tu peux farmer, monter tes Pokémon tranquille. Tu peux farmer les niveaux aléatoires, là. Tu peux te faire tes recettes et monter ta team. Et après, monter tes Pokémon un par un. Avoir des bonnes gemmes dessus et tout. Et là, ouais, pour l'histoire, ça tu stagnes un petit peu à ce moment-là. Faut un peu de chance quand même. Enfin, genre, si tu farmes pendant des jours, tu y arrives. Mais si t'as le bon Pokémon avec les bonnes capacités directes, bah c'est cool. Ah bah après, ouais, c'est de la chance. C'est sûr, c'est de la chance. C'est sûr que c'est de la chance. T'as le ultime à point qui fait que du 3000 sur armure. Ok, on va mettre ça pour se faire le hortide. Putain, mais arrête de tirer dans le vide, bordel de cul. Putain, le 17000 en CC. Beautiful people. Alors là, tu le bloques dans un mur. Et tu l'encules, merde. J'ai décédé. Je suis totalement décédé. Oh, le décès d'un homme. Piou piou. Ok, good. Non, l'Onyx c'est vraiment fort. L'Onyx c'est vraiment fort. Onyx c'est vraiment fort. Ok. Bon, on est pas mal. On était pas mal. Quoi, c'est toujours pas fini ma tambour là? Il manque combien de niveaux? Hein? Ok, d'accord. On est en train de plus ou moins monter le niveau de ma cognure. Actuellement. Ah si, ma cognure c'est fort. Allez, le CC à 17000. CC à 17000 quoi. Ça peut être vraiment badass. Où mon téléphone? Je sais même pas où j'ai foutu mon téléphone. Par là? Plutôt par là? Non. Je sais pas où il est. Paf! Ouais, en auto, tranquille ou quoi? Ouais, on se prend pas la tête. Hein. Paf! Non, si j'aime beaucoup en fait les attaques de zone. Je trouve que c'est vraiment très très fort les attaques de zone dans Pokémon Quest. Hein. Les attaques de zone sont vraiment puissantes. Paf. Il suffit que ce soit une bonne attaque de zone assez puissante et en fait vous êtes assez safe. Par contre, j'espère qu'il fait pas beaucoup de dégâts ce petit Crisacier. Allez, le petit ultime à point 2500 sous armure. Paf. Paf, paf. Ok, c'est bon, good. On va placer le curseur ici. Et on va faire le Rafflesia. Le Rafflesia qui est vraiment chiant en vrai. Hein. Elle a une attaque, là, elle a son attaque avec le truc vert. C'est tellement fort. Putain, mais arrête s'il te plaît. Arrête de faire de la merde à chaque fois de la première attaque. Parce que ça devient chiant. Putain, le 11000. Paf. Voilà pourquoi c'est fort. Ultima point. D'avoir ce Mogo avec un seul sort destruction, j'aime ma vie. Exceptionnel. Ça, c'est un Pokémon qui ira loin. Tout le monde le sait. Y'a que toi qui connais pas le potentiel de ce Mogo à l'heure actuelle. On a gagné des gemmes. On va aller voir la petite tambouille. Puis voilà. Tuk 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 tuk.
Alors oui, il y a quoi dedans? Un Pokémon bleu. Allez, est-ce qu'on se dit qu'on a un petit mini Draco là? Ça c'est bleu ça. Ça c'est de couleur bleue ça. On est d'accord. Tout le monde est d'accord que Tadmorph est de couleur bleue. Avec Char, bien sûr. T'as un Pokémon de merde! Ok, merci. Merci le jeu. Bon, pour la VOD YouTube, on s'en arrête là. Merci à tous, des bisous.